Oh oui. Je m'en souviens, juste après j'avais descendu la piste noire. Ouais, mais sur les fesses. Oh, je veux plus la voir celle-là. Allons, c'était ton premier bal, Agaric. C'était un super souvenir. Oh. Oh là là, moi quand j'y repense, je trouve ça horrible. Et moi, nous sommes dit que vous étiez assez grand pour y assister. Et pour danser toute la nuit. Et voilà de quoi vous faire bon. On va au bal de la pleine lune. C'est génial. C'est trop génial, tu veux dire. Celui-là, il est pour moi. On va au bal avec papa et Zinia pour danser toute la nuit. Youpi. Mais on peut pas aller au bal. Bah pourquoi hein? Ça. On sait pas danser. Il a raison. Eh bien, je vais vous apprendre. Nous avons tout le temps. Le bal a lieu demain soir. Il vous reste donc 2 jours pour vous entraîner. Mmh. Allez, zou, dansons les apprentis danseurs. Ouais. On va apprendre à danser. Je vais chercher ma boîte à musique. Je reviens tout de suite. Hé, attention, tu me marches sur les pieds dans le lion. De carottes. Bien. Et de 2 petits pas de côté. À 3, vous tournez. Et maintenant, rassemblez-vous. Agaric, c'est à toi. Ouais. Agaric, mais qu'est-ce que tu fabriques? Quand on fait le pont, tu dois passer dessous. Ben quoi? Je tourne? C'est Zinia qui l'a dit. Moi je dis qu'à cette allure, on sera jamais prêt pour demain. Franchement, vaut mieux lui apprendre à nager, ce sera plus simple. C'est pas de sortir, quand on fait le pont, tu passes dessous, c'est tout. Non, tu n'es pas assez en rythme, Agaric. Pour danser la dirambelle, tu dois te laisser porter par la musique. Mais c'est dur. J'irai pas au bal. Comme ça, personne ne se moquera de moi. Pas question, jeune homme. On n'abandonne jamais chez les passiflores, surtout si près du but. Alors, au travail. Oui. Tout le monde est prêt? Oui. Allez, on reprend depuis le début. Et un pas chassé et 2 petits pas de côté. Hein? Bien sûr, petit rongeur, tu es loin d'égaler cette jolie danseuse. Et on va chasser et... Mais ne t'inquiète pas, je vais t'aider, moi. Je me tarde d'être demain soir. Ça va être trop bien. Je me demande si la chouette qui organise le bal sera là. Magog? Bien sûr, c'est la doyenne du village. Et c'est elle qui ouvre le bal depuis qu'il existe. C'est-à-dire... Depuis au moins 50 ans. Il paraît qu'elle est bizarre. Bizarre, non. Elle est un peu bourrue, mais elle est très gentille. Dans le village, elle est considérée comme un sage. Quand les gens ont besoin de conseils, ils vont la trouver. Moi, je veux pas danser avec la chouette bizarre. De toute façon, c'est impossible. Elle reste toute la soirée assise à regarder ses convives. Et personne n'a jamais réussi à la faire danser. Agaric en met du temps pour chercher les pommes de terre. Sa soupe va refroidir. Et un, je tourne. À 2, tourne, ok. Non. À 2, c'est pas chassé. C'est pas chassé ou pas de côté? J'y arriverai jamais. En effet, c'est pas gagné, tu veux dire. Si tu danses comme ça au bal, tu vas être la risée du village. Pas du tout. Je sais danser. C'est Zinia qui m'a appris. Ta tante est bien gentille, mais elle est âgée.
Dans sa jeunesse, elle dansait sûrement très bien. Mais aujourd'hui, elle est complètement dépassée. C'est pas vrai. Et puis d'abord, sors d'ici. C'est ma réserve. Je vais le dire à mon papa et... Tu as le rythme dans la peau, petit rongeur. Ça se voit du premier coup d'œil. Le rythme dans la peau? Ah bon? Parfaitement. Et avec un peu d'entraînement, je connais des professeurs de talent qui feraient de toi le roi du bal. Que dis-je? La star du village. Ah oui? Et qu'est-ce que je devrais faire en échange? Oh, une toute petite chose. Trois fois rien, à vrai dire. Tu as en ta possession un objet qui m'intéresse. Mais attention, j'accepterai ce cadeau uniquement si demain soir tu as appris à danser. Tu vois, je ne suis pas une arnaqueuse. Je pense d'abord à toi, petit rongeur. Et c'est quoi cette toute petite chose, ce trois fois rien? Agaric! Voilà, j'arrive. Mais qu'est-ce que tu fais? J'ai entendu des voix. Pas du tout, je cherchais... Je trouvais pas les pommes de terre. S'il préfère aider son amie Pimprenelle. Elle repasse à chambre, paraît-il. Apparemment, la danse ne l'intéresse pas trop. Peut-être qu'on a été trop dur avec lui hier. On n'arrêtait pas de rigoler. Tant pis pour lui, on dansera la dirambelle à quatre. À cinq ou à quatre, le plus important est de bien suivre mes conseils. Et un, vous tournez, et deux... T'as la silhouette d'un bon danseur, mais il y a du boulot, petit gars. Va falloir bosser. Écoute... Il a un jour pour devenir la star du bal de la pleine lune. Qu'est-ce que tu peux faire pour lui? Hop. Hip, hip, tu comprends? Hip, hip. Hop, c'est pas gagné. Mais ça vaut le coup d'essayer. Chaussettes. Oh, mais arrête un peu, dans de Lyon. D'accord, mais vous jouez avec moi alors. Eh bien voilà, c'est bon. T'es paré pour le bal, petit gars. Hip hop. C'est vrai? Je suis prêt. Ouais, et plutôt deux fois qu'une. Mais oublie jamais, hip hop après une flexion. Hip hip hop quoi. Et le public, oublie pas de regarder ton public. T'inquiète, il n'oubliera pas. C'est mon poulain et je peux te dire qu'il a la tête bien pleine. J'ai vu ça, t'as raison de miser sur lui. Il a du potentiel. Bravo. Allez, bonne chance à toi. Merci madame. Hop hop hop. Hip. C'est bien ça, et surtout amuse-toi bien. Ça va bien. Et maintenant, on va où? Chez un vieil ami à moi. Tu verras, c'est la crème des danseurs. Et je peux te dire que grâce à lui, tu vas te faire remarquer à coup sûr au bal. Est-ce que... Enfin, j'aimerais bien aller me changer avant. Je suis tout salie. D'accord, mais fais vite. Je t'attendrai près du chêne brisé. Dandelion, où es-tu? Il est pas là. Allez, Dandelion, sors de ta cachette maintenant. Allez, sors, Dandelion. Dandelion,
Oh. Agaric, viens dans ma cachette, elle est super. Chose, enfin, un truc très important à faire. Je peux venir avec toi faire le truc important? Non, c'est une surprise. Ce soir, vous verrez, vous n'en reviendrez pas. Tu dis rien, hein? À ce soir. Trouvé. Bah, elle est nulle, ta cachette. N'importe quoi. J'avais une super cachette, mais je me suis décachée quand j'ai vu Agaric. Oh, Agaric, il est où? Tu peux pas le dire? Mais tu peux nous montrer? On y va! Attendez-nous! Souple, souple, plus élastique! Oh là là, la honte! C'est trop marrant comme il danse! Allons, allons, plus élastique les bras. Mais fichtre, qui m'a fichu un apprenti pareil? On ne vous apprend donc rien dans votre terrier? Excusez-moi, mais j'étais chez la grenouille tout à l'heure, alors je suis un peu fatiguée. Ils sont ridicules tous les deux. Et ce petit lapin, quel bêta! Non seulement il va me remettre mon cadeau, mais en plus, il va être la risée de tout le village. Vivement, ce soir. Oh non, c'est elle qui a tout manigancé. Si je l'attrape, je lui tords le cou, je fais un nœud avec ses ailes. Elle est bien trop costaud pour toi. Je propose plutôt d'avertir papa et Zinia. Ah non, si papa savait qu'Agaric a suivi la pile, le gronderait. Oh, vous direz pas à Agaric que j'ai tout raconté, hein? Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? S'il va au bal comme ça, tout le monde va se moquer de lui. Les voisins, Magog, ses copains. Ça, c'est une super idée, Miss Soufflet. Qu'est-ce que c'est? Bonjour, madame. Voilà. On est les enfants Passifleur et notre papa dit que vous aidez les gens. Et comme nous, ben, on a un problème. Vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un de faire ce qu'il a envie. Même si vous l'aimez très fort, vous ne pouvez décider pour lui. Si votre frère a pris des cours de danse, c'est certainement pour que vous soyez fiers alors, de lui. Mais fallait le voir danser tout à l'heure. C'était trop horrible. C'est vrai que t'es cloué dans ton fauteuil? Papa a dit que c'est pour ça que tu danses jamais. Dans de lion. Vous savez garder un secret. Si je ne danse pas, c'est parce que je ne sais pas danser. Mais c'est idiot. Si vous l'aviez dit aux villageois, ils vous auraient appris. Pour qu'ils se moquent de moi. Ah non, merci bien. Bon, revenons à votre frère. Je ne vois pas comment je pourrais vous être utile. Et de toute façon, il est trop tard pour faire quoi que ce soit. C'est l'heure, les enfants. Et n'oubliez pas de prendre gilet. Ça se rafraîchit vite la nuit. Ça va comme ça? Ou faut que ça serre plus? C'est vrai, ça va? Impec. Oh là là, ça va être la catastrophe ce soir. Si tu n'avais pas fait de gaffe chez Magog, je suis certain qu'elle nous aurait aidés. Ouais, et maintenant va falloir qu'on se débrouille tout seul. Voilà, t'es parée. Hein? Je suis parée pour la Dibelle. Mais c'est pas vrai. Vous n'avez pas vu ma boîte à musique? Je l'avais posée sur mon lit. C'est pas grave, tu la retrouveras demain.
Si ça se trouve, tu l'as laissé dans le jardin. Ça m'énerve, c'est un cadeau de papa. Ah. C'est la planète, petit rongeur. Tu as mon cadeau? Eh oui, je te promets d'y faire attention, petit rongeur. Merci encore. Merci à vous. C'est grâce à vous que je vais être la star du bal. Bonne chance. Et n'oublie pas une flexion avant les... Les extensions, je sais. Hip-hop, toujours regarder son public. Et les bras souples comme des élastiques. Les enfants, hein? On y va. C'est promis, Pirouette. Demain, je t'aiderai à la retrouver, ta boîte à musique. Si vous rangiez vos affaires, vous n'auriez pas ce genre de problème. Ah, c'est beau! Ouais, le premier, le grand, le gagné! Ça y va! Hey. Mes chers concitoyens, c'est un grand honneur pour moi, comme tous les ans, d'ouvrir le bal de la pleine lune. Ça alors, c'est trop fort. Elle nous a même pas reconnus. Que cette soirée soit pour vous un moment de bonheur et de joie. Bon, alors, c'est quoi notre plan? Les joyeux tuneliers sont prêts. Alors que la fête commence. Celui-là. Et hip, faut pas se gêner. Et hop. Oh là là, je veux pas voir ça. C'est pire que ce que je pensais. Oh, comment peut-on danser comme ça? Il n'a pas honte. Rentre chez toi, petit lapin. Va apprendre à danser. Oh. Plus, et j'arrivais en retard pour assister au spectacle. C'est bien, petit rongeur. Tu es encore plus ridicule que je l'imaginais. Oh, quel spectacle incroyable. Mais qui est ce petit lapin? C'est un passiflant. Mais... Ah bon? Mesdames et messieurs, nous avons l'honneur de vous présenter ce soir notre petit frère, Agaric. Comme vous pouvez le constater, c'est un imitateur de talent. Et je suis certain que vous aurez reconnu les personnages qu'il vient d'imiter. Non. Mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est une blague. C'est des imitations. Oh. Alors personne n'a trouvé, c'est pourtant facile. À vue de nez, je dirais que c'était la grenouille. Bravo, c'était bien ça. Mais il y en avait un deuxième. Je crois avoir reconnu une oie. Ah non, perdu. Mais peut-être qu'Agaric pourrait vous le refaire. Mais si, quand tu faisais comme ça, tu imitais. Il imitait. Il imitait la pie. Non, la pintade, je crois. Le pigeon des bois. Bravo. C'était le pigeon des bois. Et là, vous reconnaissez la pie? Mais je ne marche pas comme ça. Mais... Ils le regretteront. Ils le regretteront. Thank you.
quelque chose en échange. Eh bien alors, j'ai donné la boîte à musique. Tu m'excuses. C'est pas vrai, t'as pas fait ça? Je suis sûre qu'elle sait même pas la faire marcher. Alors, en échange, faudra que tu m'en fabriques une autre. C'est promis. Au fait, je propose qu'on ne dise rien à papa et à Zinia. Il vaut mieux que ça reste entre nous. Sinon, ça va les énerver. Hé, c'est la musique de la Dabelle. On y va? La Dirambelle en de Lyon. Hé, mais je m'en souviens pas, moi. T'inquiète, on t'aidera. Je ne sais toujours pas, mais cette petite séance d'imitation m'a mise en jambe. Agaric, à toi de jouer. Tu dois passer sous le pont. Et apparemment, il n'est pas utile d'être danseur étoile pour passer une bonne soirée.